Nous sommes de retour, bienvenue, nouvel épisode de Survie du Week-end. On voit strictement rien. Ah, il fait pas encore au jour. On voit strictement rien. Et il fait pas trop froid. Alors, on n'a pas vraiment encore besoin de manger. On est en pleine forme. Bon, par contre, on n'a pas récupéré de vie. Enfin, pas entier. Qu'est-ce qu'on va faire? On sort chasser direct. S'il y a le cerf qui est pas loin, pourquoi pas. Sinon, on va attendre un peu et, on va voir ce qu'on fait. Il y a le cerf. Je crois qu'il est en pile en face. Ouais. Ok, il est là. Donc cette section chasse. Ah. Et possiblement on va dans une autre zone après, on va voir. On n'est pas encore trop sûr. Mais déjà, ouais, on va pas mal s'occuper du cerf. Tout va bien. Ok, très bien. Elle est là. Je sais pas, je pensais en fait qu'il allait être un peu trop proche de moi, je me suis dit, on va tirer la flèche. C'était complètement con. Alors, 9 kilos, combien c'est une heure pour le découper? Parce que je pense qu'on va faire ça dans la... Dans la grotte, honnêtement. Dans la grotte, comme ça on pourra faire du feu et on sera à l'abri et tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que du coup, en une heure, on va découper tous les boyaux plus la peau. Bon, après il y a la viande. Et puis en fait, ça sera protégé du vent. Parce que c'est vrai que bon, faire du feu à l'extérieur c'est sympa, mais si jamais le vent se lève, ça va nous faire chier. On peut voir un peu les flèches, dans quel état elles sont. 43. Ça va, on en a encore 15 qui sont en bon état. L'arc il a 39%. Quand on retournera à la prison, faudra changer l'arc. Faudra changer l'arc. Ça, on va pas rester avec ça. Sinon ça va être dangereux. Ouais, je pense que pour une heure on peut découper tout le cerf. Je pense qu'on peut faire ça. En une heure, on va pas trop avoir froid. Je vais voir. Il fait froid quand même. Voilà. Moins 17, ça va. This pack is getting too heavy to carry. Comme ça, là, on a tout à portée. Alors, ce qui est chiant, oui, on va devoir genre retirer la viande. Petit à petit, mais bon, ce qu'on peut faire en fait, c'est faire du...
faire de l'eau pendant que ça se produit. Donc c'est pas perdu. Voilà, peau de cerf, on va mettre là, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien. Faut aller récupérer le reste des sacs et on est bon. Ok, très bien. Y a rien d'autre. Y a rien d'autre. Bon bah ça va, c'est bien. On commence bien déjà. Alors après, voilà, très bien. Ce que je voudrais faire, c'est dormir une heure pour me réchauffer et aller récupérer plus de bois. Par contre, les sacs de viande, est-ce qu'on devrait pas directement les défaire? Morceau de carcasse de cerf. Voilà. Pourquoi elle gèle? Elle gèle ici? On peut voir comment ça va. Est-ce qu'ils ont changé la mécanique? Non, je pense pas. Parce que je voudrais récupérer plus de bois. Mais le problème, c'est que... Bah, il n'y a pas grand-chose. À part couper des troncs d'arbres... Enfin, des troncs, des petits troncs, des petits trucs. Je pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Et il fait trop froid pour qu'on le fasse. Genre là on est à moins 25. Ça c'est 5-1 heure. Ça va devoir suffire. Après on n'a pas énormément. Enfin, ça devrait passer. Ça devrait, parce qu'on a quand même pas mal de bois. Mais on n'a pas énormément de viande à faire cuire. Donc à la limite ça devrait être bon. J'espère. De toute façon, on est niveau 5, donc un petit bout de bois donne beaucoup de temps quand même. Hein? Donc ça devrait... Ouais, ça devrait aller. Ça fait quoi? C'est 10 minutes par bout de bois? Un truc comme ça pour nous? Ouais. Donc ça... on va en mettre un deuxième. Très bien. Alors, par contre, on va peut-être utiliser le couteau. Pour aller plus vite. C'est quoi? 30, 17 minutes, 34 minutes. Ouais, couteau. I need to find food. On doit peut-être faire cuire ça. Ah putain, mais quel con. J'ai mis les trucs, j'ai pas mis d'eau dedans. Pas mal. Minutes. J'ai mis les machins dessus, j'ai pas pris d'eau. J'ai pas mis d'eau. Par contre, un truc que je suis en train de me demander, est-ce que... Est-ce que... 7 minutes... Si on met la viande dans des sacs, comme ce qu'on vient de faire là, est-ce que... Genre, on perd des steaks, parce qu'à chaque fois, je vois que c'est 2-3. On a 4... Donc ça ferait 12, donc ça ferait 1,2 kg. Donc est-ce qu'on perd un steak de 1 kg? Parce que là, c'est en fait, c'est réparti équitablement dans les sacs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Soit en théorie, on perdrait un steak de 1 kg, je pense.
Après, c'est pas trop grave, mais je pense, ouais. Très bien, 18 minutes. On perd même pas 1%. On a même pas perdu vraiment. Enfin oui, on a perdu. On était à 91. Ouais non, ça va, on a perdu 2%. En faisant tout ça, c'est quand même. Ça va quoi. Oui, bon, voilà, moi je veux pas. Je veux d'abord faire les 1 kg quoi. On va regarder pour du bois. Il faut à peu près 40 minutes pour cuire un truc. Donc on a 40 minutes de libre. Donc si on pouvait couper un bois, ça ferait 50 minutes, 50 et quelques. Donc ça serait le top, mais il fait froid. Donc on va pas le faire. Quoique... 58 minutes. On peut tenter la prochaine fois. On va d'abord prendre des brindilles, mais on peut tenter après. Parce que du coup, ça nous ferait des bûches là. Ça fait 2 heures l'une, un truc comme ça. Donc ça serait pas mal. Ah, c'est pas mal, il y en a quand même pas mal des brindilles. Je fais toujours un peu attention parce que j'ai quand même peur que il y ait quelque chose qui nous bouffe les miches. On va rentrer. Ouais, toujours un peu peur que quelque chose arrive, mais bon, ça a l'air d'être tranquille ici. Je pense qu'on est à l'abri. Ok, on va rentrer. Ouais, là on est bien. Donc une fois qu'on aura fait toute la viande, je pense pas qu'on va tout prendre avec nous. Mais du coup, on ira... Oh, tais-toi. On ira le côté de la route, passer le pont. Et on ira explorer. Par contre, je pense qu'avec nous, on va prendre du coup les pots. Ça. 40 minutes. Ouais, du coup, il faut se réchauffer, en fait. Ah, ah, ah. Hop là. En train de réfléchir. On va peut-être pas pouvoir prendre trop de viande sur nous, comme j'ai dit. Par contre, ouais, non, les pots, il faudrait les prendre, parce qu'après, si on commence à les éparpiller... À la limite, le mobilhome, c'est pas très loin. Enfin, oui, il y a quand même une zone avec les loups, donc c'est chiant. Mais ça passe. Enfin, si, il y a quand même une zone avec les loups, c'est chiant. Même eux, faudrait les bouger. Mais bon, enfin, oui, mais il y a quand même l'ours et tout, la peau de l'ours. Donc c'est un peu la merde. Faudrait quand même ramener toutes les peaux à la prison. Hein. Faudrait quand même le faire. Hein. Ouais, normalement là c'est les petits. Faudrait quand même le faire, je pense. Faudrait quand même ramener toutes les peaux à la prison. Ouais.
Là, c'est un peu embêtant. Un tout petit peu embêtant. Après, on peut faire un aller-retour, hein, vite fait. Hein. Ouh, on a 3. J'avais pas vu. Après, on peut faire des allers-retours hein, à la prison. Entre la prison et le mobilhome, ça que je veux dire. Mais c'est pas la joie, quoi. Très bien. Encore une heure. Du coup, hop, on fait de l'eau maintenant. Encore une heure, on va prendre ça. Il fait bientôt nuit. On commence à être décalé en fait. C'est un peu emmerdant. On va préparer tout ça. On commence un peu à être décalé là en fait. C'est un peu embêtant. Eau potable. Très bien, on repasse encore un peu le temps, 30 minutes, hop. Il faudrait qu'il fasse déjà nuit pour qu'on puisse dormir pendant la nuit. Mais ça l'est pas. Donc c'est un problème. Pardon. Mal. Très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, se balader la nuit, bon, c'est pas trop la merde non plus, mais je préférais me balader le jour, en fait. Qu'on puisse voir quelque chose, évidemment. Lol. Hein? C'est un peu ça le but. Je vais voir s'il n'y a pas encore des baies ou des champignons vite fait. Ah. Eh ben. Bon bah du coup on rentre. Bah on est bien dans notre grotte, j'ai envie de dire. On est très très bien dans notre grotte. Et on a coupé du bois au bon moment. Je crois qu'on n'a plus rien à faire. Donc ouais. Nous on est là. Je crois qu'on va dormir et après on va partir. On va prendre les pots avec nous. Donc ça fait quoi? 0,50. Ça c'est quoi? 0,10. Ouais. Ça fait presque 1 kg de plus. Et on va prendre au moins... Je dirais 4... 4, 3 peut-être, steak, on va voir un peu comment ça se déroule tout ça. Faut pas oublier ça aussi, j'avais complètement zappé.
On a le feu ici ou pas? 49 degrés. 45. 13. Ah, ils ont mis une sorte de radius qui se réduit. 48, 45. Parce qu'avant c'était plutôt genre chaud ou froid quoi. Maintenant ça diminue en fonction de la proximité, ou alors c'est moi qui dis n'importe quoi. Il y a combien d'eau? Il y a encore 5, c'est bien. Ça, on va pouvoir les laisser par terre. Encore 20 minutes de feu. Hop. Du coup, on va pouvoir dormir, mais elle va être fatiguée. Elle va être en pleine forme. Alors est-ce qu'on dort sans feu ou on dort avec un feu? Honnêtement, je pense qu'on peut dormir sans feu. On va se mettre genre là. Ah oui, il y a les boyaux aussi. Il y a les boyaux. Oh, c'est emmerdant ça. Les boyaux, à la limite, on s'en fout. À la limite, c'est pas grave. Parce que ça, les boyaux, on peut les récupérer sur les loups. Mais c'est les pots qu'il faut prendre. On va ramasser un truc. Le feu, on va le laisser s'éteindre. On n'a pas besoin de plus. Je sais pas si on va prendre du combustible avant de partir. Je sais pas trop. Faudra qu'on note sur la grotte qu'on a laissé de la nourriture ici. Ça, si jamais on revient là, on saura. Non, hein, c'est pas mal. Hein. Mmh, 10h. Ok. Elle va se réveiller. Elle va être en pleine forme. Il fera encore nuit. Donc, on va, je pense, attendre tout simplement. Ouais. On va attendre tout simplement. Parce qu'on est en pleine nuit. On peut pas faire grand chose. Et on a assez de nourriture pour tenir, en fait, juste tout simplement à attendre. J'ai envie de dire gâcher des calories, on peut le faire, parce qu'on en a beaucoup. Donc ouais, hop. C'est con, hein, mais bon, j'ai rien d'autre à faire. Voilà. Et on est full vie. Et il fait soleil, donc on va faire ça. Matériaux, stockage, outils, nourriture et boissons. Ah, merde. Je t'en foutrais de la faible visibilité. Bah, du coup, j'ai fait ça pour rien, quoi. Ils peuvent pas nous le prévenir avant de faire? Ça serait plus intéressant, honnêtement. Au lieu de me faire la surprise, parce que là, je perds de la bombe pour rien, en fait. On y va, on se casse, qu'est-ce qu'on fait? Ouais.
Un truc bête, j'aurais bien voulu, enfin on faisait comme à l'époque, vous savez, on met un thé là, et on le laisse chauffer, et après on se réveille, on le boit, on peut plus faire ça du coup, parce que si je dors en fait, il va brûler le thé. Mais ah là là, ça me manque de faire ça, parce que là en fait il faudrait refaire un feu, si je veux prendre un thé. Mais bon, c'est pas vraiment... pas vraiment le top. Bon, on est prêt à partir, je pense. Je pense qu'on est prêt à partir. 30, 45. I wonder if I can drop any of this gear. Vraiment froid ou qu'est-ce qu'on fait? On attend encore une heure? On se casse. Ouais, moi je dis on y va. Hein. Moi je dis on y va. 46, 5 litres sur nous. On a deux machins. On va prendre ça. C'est parti, on y va. Ah, ça va, j'ai compris. Bon, il fait vraiment trop froid, j'avoue. Genre me balader à moins 15, ok, mais à moins 28, bon, ça va. Ça va, ça va, j'ai compris. On va pas exagérer. Il y a du vent. Donc le vent s'arrête. Ah non, c'est encore tempête. On va attendre encore une heure, on va faire encore la même chose. Et si jamais, genre à midi, ça continue. On part. Ok, ça s'est arrêté. Attends, on va faire une heure dormir. On peut pas. Là, on peut ou pas? Yes. Je préfère faire ça, comme ça on est à fond, on est bien réveillé et on peut sprinter en fait tout le long. Très bien. On a toujours un temps de merde. J'ai l'impression qu'il y a toujours du vent. Oh là là. On va pas partir en pleine nuit. Ça s'est calmé. Je pense qu'on est bon. Aïe, 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 aïe. Oh putain. Ah, le foutage de gueule.
Moins 11, on peut partir, mais le problème c'est qu'il fait nuit. Donc... Je sais pas, c'est un peu... Je suis pas très chaud en fait. Parce qu'on va sûrement tomber sur des loups gris. Je sais pas, on peut faire demi-tour si ça se guette. On va dormir. On peut peut-être faire demi-tour si ça se gâte. On va aller, on va y aller doucement. On va voir. S'il fait un pas trop nuit. Ouais, ça va. On a une belle couleur. Ouais, il fait pas froid. Ok, let's go. Ok, moins 8. Ok, c'est parfait. Par contre, je veux manger ça, comme ça on n'a pas l'odeur. J'ai les pots. Ouais, on a les pots et on est descendu à 45 kg à peu près. On a le sac de coussage et tout, j'ai rien oublié. Non, ça va. Garder l'arc à la main juste au cas où. Donc de ce côté il n'y a pas de mine hein, je crois. En tout cas ça a pas l'air. Genre là. De ce côté là bas. Non hein, je pense pas. On n'a pas vu de panneau. On a vu des panneaux qui disaient climbing area, tout ça. Oh mon dieu. Ok. Climbing area et tout, mais on n'a pas vu mine. Les mines sont de l'autre côté. Ok, donc là par contre, on est potentiellement... Ah là on est de l'autre côté de la rivière du coup. De l'autre côté du barrage en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais bien monter là, comme ça on a une vue. C'est con parce qu'on va pas pouvoir dessiner. Ah, ouh, c'est quoi ça? Ouh, c'est quoi ça? Je vois rien de spécial. Je pense qu'on va prendre du petit bois, juste au cas où. Oh! Vieux poste de contrôle. Ok, je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui bouge, genre un loup. J'ai pas l'impression. Le poste de contrôle, comment on y rentre? Ouh! Ok. Il y a plein de bois. Hé hé! On a trouvé un lieu sympa là. On va peut-être passer la nuit ici pour pouvoir le marquer sur la carte. Le trespassing. Avant de rentrer, on va monter. Je regarde s'il n'y a pas des objets sur les tonneaux ou des trucs comme ça. Alors, restricted area. On a un camion. On a un truc électrique. On peut rien faire avec. On va regarder le camion avant d'aller dans la maison. C'est un poste de contrôle, donc j'imagine qu'on va pas trouver de lieu pour dormir. Je serais quand même étonné. Black Rock. Eh, c'est sympa. Sympa, on trouve des lieux et tout ça, c'est cool. Tissu. Y a rien dans la remorque. Allez, on va dormir, j'en sais rien, mais on va visiter à l'intérieur.
On a la lampe sur nous, donc ça va. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal, cet endroit. C'est très très bien. Un vieux poste de contrôle. Alors, hop. Dis-moi qu'on trouve des trucs intéressants, s'il te plaît. Alors, fais voir à quoi ça ressemble. Ouais. Il y a quoi? Il y a un lit. Il y a un lit. Ouh, il y a un ça aussi. Ok, il y a plein de petits trucs. Alors, on va commencer par le début. Pas mal. Ah, là, on a trouvé un truc sympa. On a trouvé un truc sympatoche. Ok, très bien. Il nous faudrait du combustible pour lampe. Ça serait bien. Alors là, on a ça. Du café, très bien. De la nourriture. Il n'y a pas... Ah oui, un truc aussi, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'aurore boréale ici. Après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas eu de chance. Mais... Et là, on a notre lit. On va éteindre la lumière. Okay. Voilà. Alors... Alors, nous, on peut manger ça, on va pas se priver. On va pas se priver. On peut pas tomber malade de toute façon. Ah, très bien. Du coup, on a encore 5 cafés. Ça, c'est cool. Ça fait plaisir. Faut absolument que je pense. Là, on peut tirer 39 fois en fait. Parce qu'on perd 1% par tir. Donc, on peut tirer 39 fois. Je pense qu'on va faire ça, ça et ça. Et on va dormir. Et pas trop trop sommeil, mais... Ou alors on explore les alentours. Alors attends. Ah, j'arrive pas. Putain, j'étais juste à côté. Allez, on va explorer vite fait en sprintant un peu et tout ça. Oh! Cool. J'avais pas vu. Faut absolument qu'on dessine cet endroit. Sur la carte. Ah, très bien. Je voudrais aller voir là-bas. Oh, attends, j'ai vu un truc. J'ai vu quelque chose là. Des lapins. Des lapins. Et on a toujours des pierres sur nous. Là, c'est... Ok. Je crois qu'on a autre chose que les lapins. Ah, toujours faire attention quand même. C'est encore la pousse. Oulala. Ça bifurque un peu trop en fait. On a
deux lapins. Merde. Il s'est arrêté au mauvais moment en fait. Je sais que c'est un peu sombre, mais je veux voir ce qu'il y a là. C'est... Putain, j'arrive pas à voir. C'est quoi, une grotte? C'est un éboulement? C'est un cul-de-sac? C'est une grotte, je crois. Ouais. C'est bien de savoir qu'ils n'ont pas corrigé ça aussi, que la lampe éblouit à mort. Regardez les bottes qu'elle a. C'est les bottes de... Ça c'est les bottes qui sont... Bah, c'est les meilleures en fait qu'on peut trouver. Qui sont pas des bottes faites par de la peau quoi. Ah c'est con. Je suis sûr qu'on a une grande chance d'en trouver sur elle. Mais vu que nous on est en intrus, on va pas les trouver. Mais c'est les meilleurs bots qu'on peut avoir. Je sais plus le nom. Okay. Alors je voudrais bien récupérer le deuxième lapin et après on retourne dans la maison. On se met à l'abri, il est là. Et on dépece les lapins. Très bien. Quand même garder l'arc. Pas mal, pas mal, pas mal. Là, j'avoue que niveau progression, c'est sympathique. C'est sympathique. Par contre, est-ce que je vais arriver... Ouais, non, là, laisse tomber. On va sortir la lampe. On va se mettre là. Très bien. Et normalement, on peut faire ça de nuit. Mais non, ça, ça va. On est bien, là. On est bien. On est plutôt bien. On trouve tout ce qui nous manquait en fait. On commence à trouver vraiment tout ce qui nous manquait, c'est-à-dire surtout les lapins, les cerfs et tout. Donc je dois dire que je suis assez heureux. On va manger ça. Ah, très bien. Boum. Tac, tac, tac. On va manger ça aussi. Et on aura du lapin à cuire. Si on a envie. Okay, très bien. Elle est fatiguée ou pas? Ouais, ça va. Elle va pas être assez fatiguée pour faire le reste de la nuit, mais... Ça va. Il fait pas encore au jour. Évidemment. On va pas dormir 2 heures comme d'hab. Faut qu'on le mette sur la map, cet endroit-là. Ok, parfait. Donc j'espère vraiment qu'on peut...
qu'on puisse dessiner. J'espère vraiment. Yes. Vieux poste de contrôle, parfait. Donc maintenant, il faudrait faire ligne droite là-bas. Je sais pas si... le lapin, on n'a qu'à le laisser là. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On reste là un peu? Enfin, je pense pas. Ça servira à quoi? Faut qu'on se réchauffe, par contre. Non, on peut partir. On peut partir. Ouais, on va prendre les pots. Les boyaux, non, on va pas les prendre. Mais on va prendre les pots et on se casse. Faut juste qu'on se réchauffe un peu. Ok, très bien. Donc ça. Kilos. Ok, très bien. Et ciao, on continue. Si jamais on rencontre des loups et tout ça, on fait demi-tour et on se cache. Enfin, on se met à l'abri. Et puis, on avisera. J'aime pas trop cet endroit-là, comme ça. Il n'y a pas de point de hauteur, en fait. Après, j'aimerais bien aller fouiller là-bas, mais... pour l'instant, je voudrais trouver les gros endroits. Quoi ça ? Prison area, ok. Je parle pas beaucoup pour... Ok, on entend des loups. Il y aura un passage là. Il y aura un passage. On a entendu un loup par contre, donc on va pas y aller. Il faudrait qu'on prenne de la hauteur. Ouais. Et un loup gris. Ils peuvent pas se mettre sur la gueule les deux, parce que normalement ils s'aiment pas, hein. Je crois. On devrait peut-être rentrer. On peut passer peut-être par là. Oh la vache, ok. Oh, oh la tête.
Il bouge pas lui. Ouais, il avance un peu. C'est bête hein, qu'il n'y ait pas de combat entre les deux en fait. Deux. Ça fait un peu loin là quand même comme tir, non? Je crois qu'on va devoir tirer quand même parce que là on commence à avoir froid. On commence à avoir très froid, ça commence à être relou. Même si on les one-shot pas, il va falloir faire quelque chose. Ils veulent pas repasser comme lui là, tranquillement. Tombe pas. Quelle merde. Attends, il y a l'autre qui est à côté. Dépêche. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il est passé par là. Je dois bien récupérer ma flèche. Je voudrais récupérer ma flèche. C'est quand qu'on apprend à tirer deux flèches en même temps? Il est là. Merde! Oh putain, on retombe sur l'endroit où il y a l'autre. Bon, on va se... C'est pas grave. On va se mettre à l'abri. Oh, attends, il y a là. Bon, on va se remettre à l'abri et on essaiera de le trouver. Faire attention s'il y a l'autre qui traîne. Il est là. Passer par où? Oh là là, tombe pas. Mais bon. Il est à gauche.
C'est parfait. Faudra retrouver absolument le corps de l'autre. Bon, après, c'est pas très grave si on le trouve pas. Je dirais, à la limite, c'est qu'une... C'est qu'une flèche, mais j'aimerais quand même pouvoir récupérer toutes mes flèches. Mais bon, là, ça va, on a bien fait. On a... On a tué le loup. Bon, on va mettre fin à notre épisode. Bon, bah, je suis un peu dégoûté parce que je voulais pas que ça se passe comme ça. On a perdu beaucoup de vie à cause du froid. Ouais, c'était bof. Bon, on en a tué 3. 2. On a perdu une seule flèche. On a perdu une seule flèche. Ça va. Ça aurait pu être pire. On va essayer de la retrouver quand on sortira. On va dormir. On va dormir 5 heures. Et on va voir si on continue ou pas. À la limite, on pourrait peut-être faire une pause un peu plus grande ici. Genre, on tue le loup là qui traîne, le loup noir. On prend la viande, on le fait cuire encore une fois. On récupère de la viande, on laisse le surplus ici. Peut-être. Ouais, peut-être. C'est peut-être plus sage de le faire étape par étape. Mais bon, au moins, il faudrait le tuer, lui. Parce qu'après, en fait, on est tranquille pour les meutes de loup gris. Donc, on peut avancer tranquillement. Donc, à la limite, ouais. On va peut-être faire juste 3 heures et puis on verra sur la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.